galère un peu. Salut les gars, comment ça va? Et toi? Comment s'est passé votre week-end? Moi j'ai fait de la mécanique. Moi des crêpes. Moi j'ai dormi tout le week-end. Ça va, tout le monde est prêt, on peut y aller? Non, il manque Noah, il est en retard là encore. Toujours en retard celui-là. Chef, on fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui nous allons désherber la parcelle maraîchère, il y a du boulot. Putain le gars, regardez, il a pas ses chaussures. Je ferme le vestiaire et on démarre. Eh les gars, vous pensez que je peux travailler sans mes chaussures de sécurité? Avec le retard, j'ai oublié de les mettre. Non. Noah, tu pensais passer inaperçu? Va mettre tes chaussures de sécurité tout de suite. Mais pourquoi faire? Arrête de me prendre pour un jambon-beurre et va mettre tes chaussures de sécurité. Et en plus, tu te moques de moi? Tu connais les risques de ne pas porter ces chaussures de sécurité? Non, et de toute façon, un accident, ça arrive rarement. Si tu te blesses au pied, tu vas moins rigoler. Ok, vous avez raison, les EBS, ça sert pas à rien. Là-bas qu'on mettait le tracteur. C'est pas le tracteur. Lorenzo, tu peux m'amener deux autres piquets s'il te plaît? Oui, j'arrive. Merci. Lise, Lorenzo, arrêtez de jouer, remettez-vous au boulot. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lolo s'est pris un râteau en pleine tête. Oh mais alors celui-là, tu aurais pu faire attention. Tu crois que j'ai fait exprès? L'inattention et la rapidité ne font jamais bon ménage. Vu le choc au niveau de la tête, il faudrait appeler les pompiers. Ok, je les appelle. On va aller tailler les oliviers. Allez me chercher les outils. Prenez bien les outils sur perche et les escabeaux de sécurité. On ne fera qu'un aller. Ça va? Vite, train de parc. Ouais. Ça va, plus de peur que de mal. Tu as de la chance d'être tombé dans le fumier. À part l'odeur, tu ne t'es pas blessé. Qui a oublié le frein de parc? C'est moi qui l'ai apporté, mais comme fallait aller vite, bah j'ai pas mis. Il faut faire toujours preuve de vigilance avec un engin motorisé, même à l'arrêt. On va s'occuper de la taille de nos oliviers. Je vous rappelle que les outils et les escabeaux sécurisés sont à votre disposition, dans la remorque. On ne monte pas dans les arbres si la situation n'est pas sécurisée. Viens Claudio, on va prendre les gros oliviers. Ok. Allez, avec la quantité d'arbres à tailler, il faut pouvoir s'activer. Je monte. Attends 2 minutes, on installe ce qu'il faut. Non, pas le temps. Et puis t'inquiète, j'ai l'habitude de faire ça, vas-y. Chef, Claudio vient de tomber de l'arbre. Mais comment tu as fait? Il a voulu gagner du temps et monter dans l'arbre directement. Claudio, ne bouge pas, on va appeler les secours. Clément, reste auprès de lui. Il a peut-être une fracture. Dernièrement, la charge de travail était importante. Nous avons tous manqué de vigilance ou fait des choix dangereux. Pour aller plus vite, résultat, les accidents se sont enchaînés. J'ai donc décidé de contacter dès demain notre conseillère en prévention de la MSA pour une intervention sur notre exploitation. Avec elle, on fera le point sur les risques professionnels et elle pourra nous accompagner pour mieux prévenir les accidents. Mais on est obligé?
À ton avis, la journée a mal commencé avec toi, alors tu as intérêt à être exemplaire lors de la formation. Ok, chef. Vous avez tous intérêt à être exemplaire lors de la formation. Reposez-vous, rentrez chez vous, et demain, on repart du bon pied. Hein, Noah ?